C'est le Sénégal mettra en place un projet sur la justice juvénile dans notre pays en novembre prochain. C'est ce qui ressort des consultations sur les droits humains entre les deux parties. La rencontre qui s'est tenue ce matin au ministère des Affaires étrangères a été présidée par le ministre de la Justice et l'ambassadeur chargé des droits humains en Suisse. C'est un reportage de Samba Mangan. Si la Suisse, connue pour son attachement aux droits humains, a choisi le Sénégal pour lancer l'idée d'un dialogue sur ses droits, c'est parce que les deux pays ont la même vision dans ce domaine. Madame la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a, en présence des autorités du ministère des Affaires étrangères et des Sénégal extérieurs, souligné que le Sénégal a ratifié les instruments relatifs aux droits de l'homme avec une attention particulière pour la justice juvénile. Cette convention dispose que l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs. Partageant entièrement ces idéaux, notre pays a mis en place un dispositif législatif en adéquation avec ses engagements internationaux et des institutions qu'il veut rendre les plus adaptées à la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi ou en danger. L'ambassadeur chargé des droits humains en Suisse, chef de la délégation helvétique, s'est dit ravi du lancement du dialogue sur les droits de l'homme entre son pays et le Sénégal. Il a tenu à informer les autorités sénégalaises de la mise en place bientôt du premier projet sur la justice juvénile au Sénégal. Nous sommes d'avis que ce dialogue peut être un succès uniquement grâce à la volonté des deux parties à s'engager ouvertement dans un véritable dialogue sur toutes les questions d'intérêt commun. Nous sommes convaincus que les deux délégations profiteront des connaissances et des expériences particulières des experts des autres ministères et experts externes qui complètent en général les délégations respectives. Les consultations régulières qui se tiennent normalement sur une base annuelle sont accompagnées des échanges, comme j'ai dit, entre des experts, mais aussi des projets de renforcement de capacités. Ce premier projet dont vous avez parlé sur la justice juvénile se présente d'ores et déjà très bien et nous sommes heureux de pouvoir l'entamer et de véritablement le commencer en novembre de cette année. L'ambassadeur chargé des droits humains en Suisse a félicité le Sénégal pour la maturité dont son peuple a fait montre lors de l'élection présidentielle passée. Il a anticipé sur les législatives de juillet prochain qui annoncent, selon lui, des mutations dans la scène politique sénégalaise. Sur l'international, en France, le nouveau Premier ministre...